Bon, l'avantage avec elle, c'est que il n'y a pas de grasse mat. Va dormir. Bon, elle n'est pas d'accord à part. J'ai trop la flemme. En vrai, j'ai fait une insomnie, j'ai pas réussi à dormir avant très tard. J'ai peut-être dormi 3 heures, ouais. Et c'est là la plaque que je vous ai dit. Mais vas-y, on va faire des trucs, des choses constructives tous les. Allez. Bon, du coup, j'annonce, je redors jusqu'à 10 h. J'en ai besoin, je suis KO. Et quoi d'autre? Ah ouais, j'ai regardé le vote sur la page, là, Queen, je sais pas quoi. Faut vraiment que vous alliez voter parce qu'on est très proches, mais elle a un peu le dessus là pour moi. Genre, je suis à 48, elle est à 52, ou des fois, je suis à 49, elle est à 51, ou des fois 50-50. Enfin bref, c'est trop chaud les scores. Donc, si vous pouviez aller voter, je vais vous mettre le lien. Bisous, à tout à l'heure. Alors, du coup, planning de la journée. Là, je suis en train de me poser, faire sécher mes cheveux au soleil. Je vais aller faire des petites courses pour cuisiner. Après, cet après-midi, je vais aller au sport. Et là, ce matin, j'ai checké un peu mes mails. Donc voilà. Bon, le programme a un petit peu changé. Finalement, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur parce que j'ai envie de me faire un soin et couper un peu. Du coup, je vais quand même aller faire des courses, cuisiner, coiffeur. Et même, j'aime pas aller chez le coiffeur alors que je viens de me laver les cheveux, mais bon. Et après, je vais aller au sport. Et c'est pareil, j'aime pas aller au sport alors que je sors de chez le coiffeur, mais bon. Et sinon, là, ma plaque, dinguerie. Ça me démange de ouf. Je ne sais pas quoi faire. Mais bon. Et voilà, planning de la journée. Quatre mois j'étais pas allée chez le coiffeur, donc là j'ai coupé un peu les pointes, ça fait du bien et voilà, je suis trop rafraîchie. Et j'ai pris les shampoings avec lesquels elle m'a coiffée parce que mes cheveux sont tout dingueries. Voilà, et la fille qui m'a coiffée trop gentille, le patron trop gentil, c'était trop bien, ravie. Sinon je vous ai jamais dit, mais si vous saviez avec quelle voiture je roule quand je suis chez mes parents, genre mon père ne veut pas que je roule ces belles voitures. Du coup, il me donne une 306 des années 1900. Je sais même pas comment elle arrive encore à rouler. Bref. Elle démarre en tout cas. Et genre avec ce genre de voiture, on n'est même pas permis d'aller dans les grandes villes. Genre là, si je vais aller à Lille avec, ben, je ne peux pas. Parce que truc de carbone, je sais pas quoi. Mais elle me transporte, donc c'est pratique. Parce que quand je suis à l'extérieur, en fait, je ne conduis pas. Enfin, je fais que Uber. Donc, j'ai pas l'utilité d'avoir une voiture chez mes parents, quoi. Elle me rend bien service. Là, du coup, je vais aller chez le cordonnier parce que j'ai le talon qui s'est barré. J'ai même pas pu les porter cet hiver. Je suis dégoûtée. Je les avais ramenés à Yves Saint Laurent. Ils ont pas voulu me les refaire. Parce que je les avais achetés sur un site, je sais plus le nom du site, mais je les avais pas achetés directement en boutique. Ils sont empoussiérés tellement j'ai pas pu les porter depuis tellement longtemps. Bref, donc j'espère qu'il pourra me faire quelque chose. J'avais déjà mis un patin.
En vrai, je suis en train de me dire, faudrait que je prenne un abonnement chez mon cordonnier. Parce qu'à chaque fois que je sors avec une paire de talons, genre après 2-3 soirées, je les ramener. Genre, je sais pas si c'est parce que je suis lourde et mon talon il tient pas, ou je sais pas, c'est peut-être ma démarche, on sait rien. Mais à chaque fois, je nique mes talons. J'ai un budget cordonnier qui est impressionnant. Bref, là je suis passée en ville, j'ai vu qu'il y avait la Ducasse. La Ducasse dans le nord, c'est la foire en gros. Donc je pense que je vais aller m'acheter des croustillons. J'ai envie de ça. Ça sera tout. Pardon. C'est trop la vie. Je suis ravie. Croustillons! Je suis censée aller au sport, les gars. C'est magnifique. Sinon, j'aime trop quand vous me reconnaissez. Il y a des gens qui m'ont donné des photos là. Bon, j'ai un peu une tête de merde. Aujourd'hui, surtout. Mais ça me fait trop plaisir de vous rencontrer. Bisous. C'est addictif ce truc. Sinon pour ma plaque, j'ai regardé. Apparemment, faut hydrater. Je sais plus comment ça s'appelle le truc. Mais apparemment, faut bien hydrater. Donc on m'a conseillé de mettre de l'aloe vera. Donc soit j'en achète à la pharmacie en tube ou sinon une feuille directement. Là, je suis devant Carrefour. Enfin, dans tous les cas, il faut que je passe à la pharmacie, je dois acheter des vidéos. Je raconte grave ma vie aujourd'hui. Impressionnant. Et Carrefour, il faut que j'aille faire des petites courses. Des petites courses. Voilà. Par contre, j'ai un problème. À chaque fois que je touche la portière de la voiture, je me prends un coup de jus. Mais genre véridique. En vrai, coup de jus. J'ai peur à chaque fois en fait, que je dois fermer la voiture. Du coup, je suis trop contente. Pour l'instant, j'ai maintenu mon programme. Je suis au sport. Merci beaucoup à ceux qui ont voté. Du coup, on a réussi à la dépasser. Du coup, je suis en finale. Je suis trop contente. Merci.